Bonjour à tous et à toutes. Me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons parler des produits terminés. C'est vrai que ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo que pour ça. Mais donc aujourd'hui, ce ne sera pas uniquement pour les produits terminés. C'est pour vous remercier donc, de me suivre. Donc aujourd'hui, nous sommes exactement à 5-6 abonnés. Comme je disais sur ma dernière vidéo, c'est pas non plus forcément le Graal, hein, mais je suis super contente d'être arrivée jusque-là, même si c'est pas énorme, mais ça me fait vraiment plaisir d'avoir une petite communauté qui me suit. Et donc, pour vous remercier, je vais organiser donc un concours qui va partir dès que cette vidéo sera en ligne, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche prochain, minuit. Donc, ça va durer, voilà, vous avez une petite semaine donc pour pouvoir participer. Allez, donc je vous parlerai de ça après les produits terminés. Allez, on y va. Je récupère ma petite bassine. Alors, donc j'ai fini ce gel douche palme olive. Voilà, il sent super bon. Il a une texture très agréable, très soyeuse. Et le parfum aussi, vraiment très très agréable. Japanese Garden. Je ne me rappelle plus exactement si elle avait précisé le parfum des fleurs. Non, ce n'était pas noté. Mais on dirait des fleurs d'églantier ou de cerisier, je ne sais pas trop. Mais bon, franchement, il est super agréable. Et il hydrate assez bien la peau. Voilà, donc c'est un contenant de 250 ml. Voilà, donc ce produit, je l'avais acheté chez Action il y a un bon bout de temps. Et c'est vrai que bon, comme j'en ai tellement, je ne l'avais pas encore ressorti. Donc là, je suis en train d'utiliser donc ce que j'ai acheté il y a très longtemps, petit à petit, pour les écouler en premier. Voilà, donc celui-là, je valide. Il est vraiment super. Ensuite, j'ai terminé le masque à la banane donc de chez Action. J'avais fait un crash test. Je vous mettrai la vidéo en suggestion ou à la fin. Si vous voulez y faire un petit tour, donc je l'avais testé avec le Air Food Banane. Voilà, donc j'en suis super contente. Je l'ai terminé et donc celui-ci faisait 200 ml. Voilà, donc j'en suis super contente. Quand un jour, voilà, j'aurai besoin d'un autre masque, quand j'aurai fini les miens, ben je rachèterai celui-ci. Texture agréable, l'odeur, bon, qui est un petit peu, qui fait un peu plus chimique que le Air Food. Mais franchement, j'en étais très contente. Hein, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ce produit, donc, pour les cheveux blonds ou gris. Voilà, donc, ça évite d'avoir les cheveux qui jaunissent. Voilà. Donc, celui-ci, je l'avais acheté chez Noz. Il fait 250 ml. Hein. Donc, ça, c'est le shampoing. Et j'ai aussi l'après-shampoing. Donc, je les utilise un tour chacun, en général. Une fois par semaine, ça suffit. Et c'est vraiment efficace, hein, vraiment. En plus, bon, le prix, je ne sais plus. Mais chez Noz, en plus, je les avais vraiment payés pas cher du tout. Voilà, donc dès que j'en vois, j'en rachète. Hein, parce que vraiment, c'est super, je vous le conseille. Hein. Voilà, moi, je fais des mèches. Hein, et franchement, ça ne jaunit pas. Voilà, donc ça aussi, super produit, je recommande. Ensuite, cette crème pour les mains de chez Yves Rocher. Donc là, je ne sais plus quand est-ce que j'avais acheté ça, l'hiver dernier, je pense. Hein. C'est un petit contenant de 30 ml pour donc crème main relaxante, fleur de lotus sauvage. Bon, c'est une crème pour les mains, très agréable à mettre, hein, ça sent très bon. Mais quand on a les mains vraiment abîmées, je ne vous le conseille pas parce que ce n'est pas assez suffisant. Hein, voilà. Donc, bon, ça peut faire crème pour les mains. Moi, je m'en mets tous les soirs maintenant avant de me coucher. J'en mets tous les soirs. Voilà, quand je n'ai pas les mains très abîmées, je mets ce genre de crème. Voilà, après, quand le froid était vraiment installé, que je commence à avoir du blanc entre les... Vous savez, ça fait blanc, ça fait la peau qui est un peu irritée, etc. Je mets d'autres crèmes. Voilà, donc celle-ci, c'est voilà, c'est tout au cours de l'année, suivant l'état de mes mains, s'il n'y a rien de spécial, je mets ça. Voilà. Sinon, après, ça fait son job, hein, mais voilà, suivant l'état de vos mains, je ne vous le conseille pas en premier. Après, j'ai utilisé ce savon, voilà, c'est cette marque de pharmacie, 200 ml. Donc, c'est une crème de chez Ictian. Voilà, c'est anti-dessèchement.
Alors, c'est fantastique, hein, c'est vraiment très 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 bien. C'est un très bon produit. Voilà, si vous avez vraiment une période où vous avez la peau très 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 sèche, hein, je vous conseille vraiment, mettez-y le prix, n'hésitez pas. Vous en faites un petit moment quand même, hein, vous en faites une semaine, 15 jours, je crois que j'ai fait, en l'utilisant ben, une fois par jour. Hein, à peu près, voilà, ça fait 100 quantités. C'est super. Voilà, moi qui ai la peau très très sèche, c'est génial. Vous pouvez faire une cure de temps en temps, hein, dans l'année, vous pouvez en faire 3 ou 4. Hein. Et voilà, c'est très efficace. Le prix, je ne me souviens pas du tout. Mais voilà, je vous conseille ce genre de produit pour faire quelques cures dans l'année. Voilà. Après, donc ça, voilà, donc je ne vous représente pas cette marque Cottage. J'adore, hein, je vous le dis chaque fois. Donc celui-ci, c'était parfum, fait arôme banane. Voilà. Donc celui-ci, je crois que je ne l'avais jamais testé. Et franchement, il est super. Hein. L'odeur, la texture, il hydrate. Ah ouais, il sent vraiment, vraiment la banane, comme le Airfood banane. Il fait moins odeur chimique que le masque à la banane de chez Action. Mais franchement, super agréable. Voilà, donc très bon produit aussi. Ensuite, toujours dans les gels douche. Le Vendôme, voilà, à l'huile d'olive. Bon, il fait 250 millilitres de hypoallergénique sans parabène. Voilà, donc non gras. Moi, je n'ai pas trop aimé. Franchement, l'odeur moyenne, que je me souvienne bien, oui. Bon, l'odeur d'huile d'olive, un petit peu cette odeur un peu graisseuse, je ne sais pas, ça fait bizarre. Hein. Mais bon, ce n'est pas ultra désagréable. Mais je ne sais pas. J'avais l'impression que j'avais la peau qui me grattait. En sortant de la douche, c'était pire. Je sais pas. J'ai essayé plusieurs fois dans la même semaine, mais alors je sais pas, il y a un problème. Hein. Pourtant, la marque Vendôme, j'ai déjà acheté les gros contenants qui font, je sais plus, 750 ou 1 litre. Hein. Je sais pas si vous connaissez. Ils sont super bien. Mais alors, celui-là, l'huile d'olive, il me va pas du tout. Je sais pas, mon corps ne supporte pas, la peau ne supporte pas ce savon. Donc du coup, c'est mes hommes qui l'ont fini. Bon, eux, ils n'ont rien remarqué de particulier. Voilà. Donc, bon, moi, je ne valide pas celui-là, je ne rachèterai pas, quoi. Voilà. Ensuite, et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste un de mes produits préférés. Donc celui-là, c'est le Palmolive à la violette et au miel. Donc ceux-là, je ne sais pas si vous voyez, il reste un léger fond. Vous avez des petits bouts de violette à l'intérieur du savon. Donc, c'est une formule gel. Il est super agréable. Hein. C'est un vrai régal, autant par le parfum que par la texture gel, mais un peu soyeuse. Enfin, il est super agréable. Après, au niveau de l'hydratation, c'est assez moyen. Mais c'est vrai que pour changer un petit peu dans la semaine, moi, j'aime bien faire ça. J'utilise pas tous les jours le même savon. Voilà, une fois ou deux dans la semaine, j'en ai un autre dans la douche où je change. Voilà, bon, sympa. Moi, j'adore ces produits-là. Vraiment, je kiffe. Voilà. C'est mes produits pas préférés parce que mes préférés, c'est Cottage. Mais les Palmolive, là, cette marque, fait cette. Comment on dit? Je ne sais plus. Le Skin Garden, là, voilà. Cette partie de gamme. Je l'adore, voilà. Même ils ont fait pour le corps, des crèmes pour le corps, ils ont fait des savons pour les mains. Et franchement, super, hein, j'adore. Ensuite, on va passer au déo. J'avais acheté ce déo chez Noz. Donc, c'est une marque que je ne connaissais pas, sans alcool, sans sel d'aluminium, sans parabène. Il y a de l'aloe vera à l'intérieur. Et c'est la marque Prime Aloe. 50% d'aloe vera. Voilà, vous voyez, c'est bien écrit. Au niveau de la compo, ben c'est 99,57% d'origine naturelle. Donc, il est presque bio, 100%. Et je l'avais payé 1,99€. Il fait 50 millilitres.
Si j'en retrouve, j'achète. Parce que franchement, il est super. J'en ai fait vraiment longtemps en en mettant deux fois par jour. Parce que j'en mets souvent le soir après la douche et le lendemain et le matin aussi, j'en remets. Surtout l'été. Mais enfin, franchement, j'en ai fait super longtemps. Et alors, j'ai vraiment adoré. Donc, si un jour j'en retrouve, franchement, je rachète parce que c'est un super produit. Vraiment, je vous conseille. Et en plus, il est pratiquement bio, quoi. Il y a que de énormément de produits naturels à l'intérieur. Voilà. Donc, franchement, des fois, j'y vais un peu à reculons sur les produits presque bio ou bio. Mais là, franchement, je vous conseille. Voilà. Prime, Aloe. Voilà. Je ne sais pas si vous arriverez à voir. Je ne fais pas le focus. Voilà, Belliflor apparemment qui fait ça. Voilà. Allez, donc ça, j'ai adoré. Ensuite, je vais vous parler d'autre chose qui n'a rien à voir avec les produits, mais que j'ai acheté et que je regrette par contre. Ce sont ces housses pour mettre ce que vous voulez, du linge, des couettes. Je les ai achetées donc chez Centracor. Certes, pas cher du tout. Donc, c'est la marque 5. Donc, 5. Voilà. Et franchement, zéro. Zéro. Tout s'est redégonflé. Donc, voilà. J'ai ça dans mes placards et c'est toujours pas rapetissé. Donc, ça fonctionne sur le moment. Hein. Ça fonctionne sur le moment. Mais au bout de quelques heures, eh ben, ça se redégonfle. Voilà, donc ça ne vaut rien. Il va falloir que j'achète d'autres housses parce que finalement, tout ce que j'ai, ben, ça reprend de la place dans le dressing, enfin, dans le haut des placards. Voilà. Ça n'a pas fonctionné correctement. Donc, franchement, je vous conseille sur les housses de rangement, ben, tant pis, mettez-y le prix. Puis voilà, hein. C'est le mieux. Au moins, on les garde chaque année sur chaque année. Et puis finalement, on fait des économies, je pense. Voilà. Donc, moi, dès que je trouve une vanne privée de compacteur, il y en a vu il y a un mois ou deux. Et, bon, ben, je l'avais vu, mais c'était trop tard. Bien, je rachèterai de cette marque. Hein, parce que franchement, compacteur, c'est la meilleure marque hein, pour les affaires, pour tout ce qui est rangement. Voilà. Bon, c'est tout pour mes produits terminés. Et donc maintenant, on va passer à l'explication pour participer à mon concours des 100 abonnés. Alors, donc pour participer, il faut obligatoirement, évidemment, s'abonner à ma chaîne. Logique. Ensuite, il faudra me mettre un commentaire sous la vidéo. Donc surtout, ne mettez pas je participe, parce que normalement, c'est interdit de faire des concours sur YouTube. Donc, vous me mettez un petit mot sympa. Voilà. Et ensuite, pour avoir une chance supplémentaire, il faut s'inscrire, donc enfin, s'abonner à mon compte Instagram. Donc Gabrielle G78. Donc je vais tout vous remettre donc, en barre d'infos. Voilà. Et donc il démarrera ben, voilà, aujourd'hui, dès que la vidéo sera active. Et donc jusqu'à dimanche de la semaine prochaine, minuit. Je vous mettrai la date parce que là, je ne sais même pas quelle date on sera dimanche de la semaine prochaine. On sera sûrement le 7, puisqu'aujourd'hui on est le premier. Voilà, donc je vais vous présenter. Je vais faire donc deux gagnantes. Je vous montre. Donc je vais dispatcher les lots hein, donc par deux. Hein, je ne sais pas dans quelle boîte je mettrai l'un ou l'autre cadeau. Bon, je vous montre tout ce qu'il y a et moi après je dispatcherai. Alors pour la beauté des mains et des pieds, je vais vous mettre des gants. Voilà, ce sont des gants où vous mettez de la crème hein, et ensuite, enfin, ce sont des gants, oui, c'est des gants. Je vais y arriver. Donc, vous mettez la crème sur les mains et ensuite vous mettez le gant et donc vous restez un moment avec et ça réchauffe la peau et donc ça fait pénétrer encore mieux la crème. Voilà, donc il y aura ceci, un lot de gants et ensuite pareil, mais pour les pieds. Voilà, ça aussi, c'est très sympa. Ensuite, je vous mets une éponge Conjac, voilà, pour le nettoyage de la peau. Donc, c'est super, super, ça, je recommande, hein, franchement. Vous la mouillez et ensuite, ben, vous vous nettoyez avec ça. Et franchement, c'est bio, c'est naturel, c'est génial.
Bon, il faut les changer régulièrement, hein. Forcément, vous en faites pas un an, hein. Mais c'est vraiment génial, puis ça coûte vraiment pas cher, hein. Donc ça, pour vous, pour votre peau. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une lotion pour le corps, voilà, de 50 ml. Hein. I Love You Mom, donc ça c'était sûrement dans la box Action de la Fête des Mères. Hein. Ensuite, ça c'était quoi ça? Un highlighter de cette marque qui est une très bonne marque de cosmétiques. Hein. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? Un illuminizer pour le body, hein, donc pour le corps de 25 ml. Hein. Donc celui-ci, il est couleur gold, donc il est un petit peu enfin, couleur gold, hein, vous verrez, je ne l'ouvre pas. Hein. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai un lot de crayons pour les yeux, voilà, un assortiment, donc plusieurs couleurs, voilà. Donc ça, c'est très sympa. Ensuite, un shampoing sec de chez Garnier, ultra doux. Voilà, donc celui-ci, c'est celui au citron. Après, une fleur de douche. Ensuite, une espèce de petite lavette au crochet. C'est moi qui l'ai fait. J'en avais fait l'année dernière pour le marché de Noël. Voilà, donc il m'a resté quelques-unes. Donc, je me suis dit, c'est sympa quand vous voulez faire le gommage dans la douche. C'est super pratique. Hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Un savon de chez Yves Rocher. Donc ça, c'est la gamme qu'ils ont sortie l'année dernière. Enfin, c'est l'hiver dernier. Voilà, donc celle-ci, c'est au sapin. Voilà, odeur sapin. Ils sont très bien, hein, j'en ai encore. Hein. Et après, j'ai mon savon bio à l'abricot. Voilà. Donc voilà pour les lots. C'est pas énorme, mais bon, à la fois. Allez. Donc du coup, pour cette vidéo, c'est terminé. Je vous remettrai donc en barre d'infos toutes les explications. Et puis mon Vinted, comme d'habitude, hein, puisque bon, j'essaye de me débarrasser de tout ce que j'ai. Pensez que même pendant le confinement, quelques relais, Mondial Relais par exemple, certains seront ouverts donc pour récupérer certaines marchandises. Donc, je pense qu'on peut continuer un petit peu avec Vinted de vendre et d'acheter. Donc, voilà, c'est pour ça. Je vous laisserai mon Vinted de nouveau en barre d'infos avec les explications pour le concours. Je vous fais plein, plein de gros, gros bisous. Merci encore aux dernières abonnées. Je vous embrasse toutes. Et justement, activez la petite cloche pour être au courant des dernières vidéos que je mets. Et surtout, abonnez-vous. Bye bye!